Bono, Nisi Nadiama, Fasika, Bede, Fumumakuku, Mwana Nanga. Ndijini vakwangu kiaki ai changu votitumu ipeni tata gouverneur grâce mkwanga maswangi bilolo fai avotanga mkanda beni kasoniki tidi kunutubi la fioti seke jese de nemo andase président des étudiants à l'Iniki, j'ai eu à les rencontrer pour la première fois. Conseiller chargé de mission du gouverneur Jacques Mbadi, j'ai eu à écrire une lettre de 4 pages à Lokia Congo. Certains d'entre vous me l'ont balancé ce matin et je m'en suis souvenu. De 4 pages, lettre ouverte. Le message essentiel contenu dans cette lettre ouverte que j'avais adressée à Lokia Congo, c'était de lui dire, papa, BDK, c'est bien, ça m'en a occupé. Car si mambo que la bête on a boit la yaye, y'a que les mambo y'a qui fumo y'a qui mayala. Bête on va y'a kaka, mais que la mabundo a bête on, mais que ça me la ka. Y'a que voilà pas si batu en kaka ka, tout la mabundo a ba, on vous a kota na BDK. Car si, kanati, que mes salles qui m'vouka, yina, ya qui mayala, kuna, batumingi, que vous allanda gena manima. La lettre était très longue. Il semble qu'il y avait aussi des phrases qui pouvaient énerver beaucoup de gens, excepté lui-même. Et après la publication de cette lettre-là, la maison familiale à Lukula était envahie par certains maquesses. J'étais en attaque. Ma famille commençait à avoir peur. Heureusement, parmi les maquesses, je salis Moutapambo à Lemba. Je salis Moutadibank et d'autres qui furent mes anciens élèves. Ils ont compris que mon discours, ma lettre était d'une haute facture que finalement, Boutané Mondansé, y avait accordé du crédit. Que Mouta, feu, le confrère Foula, m'a appelé au téléphone et m'a demandé si je pouvais rencontrer Némondansé. Beaucoup de gens m'ont dit de ne pas y aller parce que, après l'avoir rencontré, je pourrais mourir. Le premier rendez-vous pris, Moutina Kaya. Deuxième rendez-vous également. Prêt à aller vers lui, coup de fil, des aînés, pour Kouenda, avec moi, non. Et mais qu'à Kouenda, et qu'il y ait moi, c'est moi, la bacala, la bouta, mais nous, qu'est-ce que vous j'ai dit, j'étais tellement convaincu du message que l'autre fois je suis allé facilité par l'être foulard. J'ai rencontré le mandat Semi, nous avons parlé. Et il a dit que le Bundu du Congo était pour lui une fondation de socle parce que Yina Moulomba Kandi, Anisala Kimayala. Anitubaga kimayala kana yake lokola hicho kana fondation kele vengele na tunga hicho ve. Je m'arrête là.
veuillez accepter. Moutangi la mène au Mukanda, Mekatuka, Natata gouverneur. Grâce, Mkwanga, Maswangi, Bilolo. Ina, Kwandaka, Nanchatu, Yakukuiza, Awa. Distingués compatriotes, mesdames et messieurs, cadres, militantes et militants de Mundu Diamayala, Bédin. Avant toutes choses, je tiens à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour les dons de la vie et pour les merveilles manifestées dans la province du Congo central en la gratifiant des personnages gravés dans la mémoire collective. Il s'agit notamment de Mfumu Kimbala, de Kasavu, de Jezala, de Daniel Kant, de Rona Judith Souminois, etc., etc. Aujourd'hui, le peuple congolais en général et le peuple Congo en particulier célèbrent le premier anniversaire d'une illustre personnalité, Nomi à Congo, né Mwanda Nsemi, Mfumu Mwanda Nsemi. Ensuite, il convient de rendre particulièrement un vibrant hommage à la mémoire du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toute la sollicitude dont il a fait preuve en faveur des Kaka Némondassé, tant de son vivant que dans l'organisation de ses funérailles. Enfin, je voudrais féliciter tous ceux qui ont pris l'initiative de célébrer ce premier anniversaire de la mort de Mbuta Némonda Nsemi, ainsi que ceux qui y ont rehaussé de leur présence. Cette initiative est de nature à consolider dans la mémoire collective le nom glorieux de Némonda Nsemi. Distingués compatriotes, mesdames et messieurs, cadres, militantes et militants de Mundu Diamayala, mesdames, la célébration de la mémoire d'un homme offre une opportunité de jeter un regard sur les valeurs incarnées par ces derniers. La meilleure manière de célébrer le premier anniversaire et tous les autres anniversaires des Kaka Némonda Nsemi consiste à demeurer dans l'unité et dans l'esprit de solidarité. Tel est l'héritage à préserver. À ce niveau, j'en appelle aux cadres, militantes et militants de Mundu Diamayala, de garder les yeux et les cœurs tournés vers Mbuta Némonda Nsemi. En effet, toute dérive pourrait ressembler à une trahison de la personne du ministre disparu. C'est l'unique voie pour garder vivant cet homme dont vous portez même les stigmates. Mesdames et messieurs, je ne puis clore ces propos sans convier davantage tous ceux qui se reconnaissent en Mfumu Némonda Nsemi à la culture de la paix et surtout à la loyauté envers le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à toutes les institutions, tant de la République que de notre chère et belle province. Ce faisant, Némonda Nsemi se confirmera
un personnage historique, patrimoine national et international. Et on ne cessera de le dire, mon enseigne est mort, vive mon enseigne. Je vous remercie. Le 18 octobre 2024, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central.